J'avance une étape de plus dans mon apprentissage de la programmation de FPGA. Aujourd'hui, on compte jusqu'à 99 et on recommence. Bidouilleur, salut. Huit pistes. Oh mon dieu. Le condensateur électrolytique. One Wire. Bidouilleur, salut. Ceci est la partie 4 de cette série de découvertes à la programmation d'un FPGA. Dans la vidéo, partie 3. J'ai fait ma première configuration d'FPGA, soit un diviseur asynchrone par 10 millions. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de cette série, allez-y les visionner dès maintenant. Je vous fournis un lien vers celle-ci dans la description sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réutiliser le diviseur par 10 millions et je vais y greffer un compteur de 0,0 à 99, donc 0 à 99, à affichage LED, donc à deux chiffres. Ce sera pour moi l'occasion d'apprivoiser le contrôle de l'affichage à LED de cette plaquette et le multiplexage des signaux aussi, à l'interne. Je vais créer la logique sous forme de schéma bloc, comme je l'avais fait pour le diviseur par 10 millions dans la vidéo précédente. Par la suite, je verrai si j'en fais l'équivalent en langage HDL, Verilog. Pour moi, ce serait tout un apprentissage et beaucoup de travail, car je n'ai jamais codé en Verilog. À nouveau, je demande aux pros du codage de FPGA de faire preuve d'indulgence, car je ne suis qu'un débutant. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus, cependant. Bon, alors, première étape un schéma bloc sur papier pour bien comprendre la tâche qui m'attend. Ok, alors je vous explique ce qu'on va implémenter aujourd'hui. Ce sera un compteur de 0 à 99 et qui retombe à 0,0 euh, lorsqu'il a fait le tour jusqu'à 99. Donc, on aura deux chiffres pour afficher euh, le résultat. Tout ce que vous voyez ici, sauf l'oscillateur et les deux chiffres, ce sera implémenté dans le FPGA lui-même. Alors, on va commencer à gauche. On va prendre l'oscillateur de 50 MHz qui est évidemment déjà inclus dans, euh, sur la plaquette, si vous voulez. Euh, donc, on va prendre cette source-là et on va la diviser par 10 millions, exactement le même diviseur que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. On va en dériver donc un signal de 5 Hz et on en dérivera aussi à un étage intermédiaire de la division un 5 kHz. On couvre ça tantôt, on verra pourquoi. Alors, pour pouvoir faire un compte de 0 à 99, on a besoin de deux compteurs. Un compteur de 0 à 9, un compteur qui fera les dizaines, donc 10, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 90. En fait, c'est faux, c'est bien de 0, 0 à 90. C'est ça que ça devrait être écrit ici. Voilà. OK. Alors... On a deux compteurs, et le premier, évidemment, va toujours tourner 0 à 9, va revenir à 0, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il va croiser de 9 à 0, il va donner une impulsion sur le compteur des dizaines. D'accord? Ça, c'est typique du fonctionnement d'un compteur. Deux compteurs qui sont cascadés l'un sur l'autre. Évidemment, lorsque celui-ci aura atteint 9 aussi, bien, il va retomber à 0 et le compte fera 0, 0. Donc, on a sur ces compteurs-là une sortie binaire, du BCD, qui va de euh, 0 à 9, codé de façon binaire. Un, le poids, évidemment, est de 1, 2, 4 et 8. Même chose pour les dizaines. Le poids sera de 1, 2, 4 et 8. C'est évidemment codé en binaire, donc c'est la somme de ces lignes-là qui donne le résultat. Bon, pour pouvoir sélectionner euh, quel affichage recevra... Euh, le compte, on a besoin de multiplexeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement sept lignes euh, de connecter sur les deux chiffres, en fait les huit chiffres de notre plaquette. Il y a seulement sept lignes, les lignes A, B, C, D, E, F, G. Ce sont les segments. Et euh, ces lignes-là sont connectées toutes en commun. Tous les segments A sont connectés en commun sur les huit chiffres, et ainsi de suite, jusqu'au segment G. Et donc, on n'a pas le choix d'utiliser un multiplexeur et on n'aura pas le choix d'afficher un chiffre à la fois en multiplexage. Donc, très rapidement, on va faire la mise à jour de chacun des deux chiffres. On aura donc seulement un décodeur BCD à 7 segments. C'est une pièce TTL de la série 74. Ça existe sans problème. Mais euh, donc, on ira en une alternance d'allumer un chiffre, l'autre chiffre, un chiffre, l'autre chiffre. Et au même rythme qu'on va allumer un chiffre et l'autre chiffre, on va envoyer soit une lecture ou l'autre lecture. Une lecture, l'autre lecture. Et donc, on, en, on affichera la valeur sur le décodeur correspondant au chiffre qu'on veut allumer, et soit lui, soit lui. Donc, on a besoin d'un gros multiplexeur qui prend une ligne. À la fois, soit la ligne des unités, soit l'autre ligne des unités, soit la ligne des deux, l'autre ligne des deux, et ainsi de suite, qui les sort ici, la ligne des quatre ou l'autre, donc un chiffre ou l'autre envoyé ici sur les quatre lignes du décodeur. Et donc, pour produire soit un chiffre, soit l'autre, j'ai simplement mis un inverseur. Lorsqu'un niveau est haut, l'autre est bas, et l'inverse. Lorsqu'un niveau est bas, l'autre devient haut. Donc, on fera une alternance. C'est pour ça que j'utilise un 5 kHz ici. C'est le rythme de changement de la mise à jour là, des chiffres. Le compteur, lui, va incrémenter à un rythme, bien sûr, de 5 incréments par seconde, puisqu'il reçoit un 5 Hz ici. Donc, le chiffre va incrémenter ici à un rythme de 5 incréments par seconde. Les dizaines vont bien sûr suivre. Alors, c'est le fonctionnement général. Alors, comme je vous ai mentionné, ça, c'est à l'extérieur et ça, c'est à l'extérieur. Sinon, tout le reste, c'est à l'intérieur dans le FPGA. Alors, ça fait le tour de ce que je fais. Allons voir une fois euh, capturé dans le schéma, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais maximiser la fenêtre. Voilà. Alors, l'implémentation inclut. Un diviseur par 10 millions, exactement euh, comme euh, dans la vidéo précédente. J'avais fait un test. Là. Alors, c'est les mêmes 74,3,90, trois fois suivi du 74,90. Ça, c'est euh, la même chose. Donc, ça simplifie déjà. C'est pas pour rien que je l'ai fait dans la vidéo précédente. J'avais des idées en tête, comme vous voyez. Par la suite, je me suis créé deux compteurs. Euh, bien sûr, euh, un qui va capturer les unités, donc les chiffres qui sont affichés sur euh, l'affichage Adèle, et un autre compteur qui va afficher les dizaines. Et ces compteurs-là vont aller de 0 à 9 et euh, revenir à 0 pour les unités. Même chose pour les dizaines. Et lorsque le compteur des unités franchit euh, 9 et tombe à 10, ou il revient à 0, eh bien, ça, ça va donner un incrément sur le compteur des dizaines. Et donc, on a vraiment unité et dizaine qui comptent, et on a des valeurs BCD, donc Binary Coded Decimal, c'est donc la valeur binaire, ici, en A, B, C, D, donc 1, 2, 4 et 8, le poids là, des bits, donc 0 à 9 et 0 à 9, unité et dizaine. Bon, alors ça, on a notre compte qui est gardé, si vous voulez, en mémoire, ici. Maintenant, il faut l'afficher ce compte-là. Et c'est là qu'il faut utiliser du multiplexage, puisqu'on a seulement un 7447 hein, qui est branché en permanence sur les deux affichages au niveau des segments. Et on a des lignes qui alternent, comme vous savez, pour allumer un et l'autre des affichages. Alors, la façon de faire, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le multiplexeur. Le multiplexeur va choisir une ligne et va l'envoyer à la sortie, ou il va choisir l'autre ligne il va envoyer à la sortie en fonction du signal au bas envoyé à son entrée de sélection. Donc on a juste, comme vous avez vu, à choisir la ligne A, donc le bit inférieur, l'autre ligne A, et de commuter l'un, l'autre, l'un, l'autre pour envoyer ça sur la ligne A de notre euh, décodeur BCD à 7 segments. Et on fait la même chose pour les autres bits, bien sûr, et tout ça sera bien sûr alimenté par notre ligne de 5 kHz qui va bouger en rapidité, sélection de l'une et l'autre. Et donc, on ne verra pas à l'œil, mais en réalité, il y a toujours deux valeurs BCD qui sont envoyées en alternance sur le décodeur. Et donc, à l'écran, on a deux valeurs affichées unité et dizaine. Et ça se bouge à une vitesse de 5 kHz, donc les yeux ne le voient pas. Alors, c'est tout, hein? c'est ça l'implémentation. Vous avez vu l'inversion ici pour que lorsque un est haut, l'autre est bas, et lorsque lorsqu'un est bas, l'autre est haut. Et donc, ça c'est des blocs. Les, en passant le multiplexeur, vous remarquez que ce n'est pas des 74. Il y a, il y a des, des symboles génériques euh, dans la librairie, bien sûr, et ce sont ces, euh, ces symboles génériques que j'ai euh, utilisés. Et il y en a plusieurs des symboles comme ça qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres ici, vous voyez, dans euh, Other Max Plus. Des décodeurs, des multiplexeurs, toutes sortes de différentes fonctions. Ils ne sont pas associés à une pièce 74. J'aurais pu utiliser peut-être une pièce 74, mais ceux-là étaient tellement simple à utiliser que je ne me suis pas privé. Deux lignes d'entrée, une ligne de sortie, puis un sélecteur au bas pour choisir la ligne, c'était assez simple, merci. Alors voilà, ça c'est l'implémentation sur schéma et au niveau du pin planner, bien les broches d'entrée-sortie. J'ai assigné les 7 segments A, B, C, D, E, F, G en vert. Je les ai assignés sur les broches de sortie du FPGA telles que montrées sur la plaquette. C'est les broches qui sont connectées sur des affichages, donc je n'ai pas le choix. Il fallait simplement que j'utilise 127, 126, 125, 124, 121, 120 et 119. Et pour ce qui est des deux lignes de sélection, les deux chiffres, et ça, elle s'appelle Digit 0, Digit 1, euh, tel que montré encore une fois sur euh, la plaquette. Bien, c'est les lignes 128-129. Alors, j'ai fait cette association de broches en plus du 50 MHz, bien sûr, qui rentre comme dans la vidéo précédente sur la broche 23. Et le fonctionnement, ben regardez, on le voit à l'instant. Vous voyez une incrémentation de 5 par seconde, donc euh, 5 sauts par seconde. Et ça va de 0,0 à 99. Et rendu à 99, ça va retenir, retourner à 0,0 et reprendre, ainsi de suite, à vitam aeternam. Donc, ça, c'est l'implémentation sous forme de schéma bloc. Mais oui, je l'ai fait aussi en Verilog, en langage HDL. Et allons tout de suite voir ça. Alors oui, je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse du Verilog aussi pour démontrer qu'on peut soit utiliser euh, des graphiques, les schémas, comme je vous ai montré précédemment, ou on peut coder un FPGA avec du langage HDL. Dans ce cas-ci, j'ai choisi Verilog. Alors, plutôt que d'avoir un graphique, on a du texte. Mais vous allez voir que euh, c'est une pensée un petit peu différente. Euh, comparativement, lorsqu'on fait du C, du langage de programmation C, il faut se rappeler que ce qu'on fait ici, ce sont des définitions de porte-logique. C'est pas du code qui s'exécute euh, nécessairement euh, en partant vers le haut, étape par étape, qui se finit vers le bas. Il y, a une certain, euh, il y a un certain concept de séquence, vous allez le voir, mais il y a aussi un concept de concurrence, c'est-à-dire que des tâches peuvent s'exécuter absolument indépendamment et en simultané, donc concurrent, euh, concurrentes l'une de l'autre et donc ça, les, deux, euh, les deux existent. c'est l'avantage d'un fpga de pouvoir exécuter des tâches en simultané ce qu'un euh, qu microcontrôleur microprocesseur ne peut pas faire euh, parce que dans le fpga il y a plusieurs chemins il y a plusieurs structures logiques qu'on bâtit et des fois ça peut se regrouper des fois ça, ça ne se regroupe pas du tout. Alors, on va donner à notre module un nom, c'est comme un nom de programme si vous voulez, et on va lui fournir les entrées et les sorties. Ce sont les signaux que je vais définir un peu plus bas, vous allez voir. Alors, oui, on lui fournit les entrées et les sorties euh, dans notre code. L'entrée, c'est bien sûr l'horloge de 50 MHz, euh, c'est donc l'oscillateur qui est sous le, la plaquette, et ça, c'est une entrée. Et on aura trois types de sorties. On aura... Euh, les sorties pour euh, l'affichage, donc les sept segments euh, qui euh, affichent euh, donc euh, les différents chiffres. On a, on a donc besoin de sept lignes, les lignes 0 à 6 ici, data out. On a aussi besoin de deux lignes, une qui allume chacun des deux chiffres. Donc digit 0, c'est les unités, et digit 1, c'est les dizaines. Donc, j'ai deux lignes ici qui vont bien sûr aller en alternance, mais très rapidement pour pas qu'on qu voit ça à l'œil. On va voir ça tantôt. Alors, entrée-sortie définie, bien sûr, ça, ça ira ajouter dans le pin planner lorsqu'on fera la compilation. Ça aidera à ajouter ces signaux-là dans le pin planner, d'où l'importance de les définir ici. Bon, on va se créer aussi des registres. Euh, entre autres, on a besoin d'un registre qui va aller au moins jusqu'à 10 millions. Euh, parce qu'on va compter de 0 à 10 millions, euh, vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard, et c'est fait à un rythme de 50 MHz, d'accord? Donc, on a besoin ici de 24 bits, donc les bits 0 à 23, ce sera un compteur de 24 bits, d'accord? Ensuite, on va se créer un registre d'horloges de, euh, de fréquence plus basse, donc on aura un, ici un bit seulement qui rentre 0 et 1, on verra plus tard à quelle fréquence. Et on se créera aussi un registre, encore une fois, une seule ligne qui va de 0 à 1. Et ça sera à une fréquence de 5 Hz, parce que vous vous rappelez, nos chiffres s'incrémentent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, par un rythme de 5 chiffres par seconde sur l'affichage. On va encore une fois se définir un registre correspondant aux broches de sortie, euh, que j'ai appelées Data Out. C'est donc les segments A à G sur les affichages. Et on se crée aussi un registre qui représente la valeur binaire de, à afficher, si vous voulez, sur chacun des deux euh, affichages, en alternance, bien sûr. Donc, j'ai besoin de 4 bits, 0 à 9, ça prend 4 bits pour faire ça. Alors, je l'ai appelé BCD, ce, ce registre. Et j'aurai besoin des deux lignes, bien sûr, un registre qui représentera la valeur haute ou basse des deux lignes là, pour allumer un affichage ou l'autre. Et finalement, j'aurai besoin de deux registres, un registre qui va stocker la valeur des unités et la valeur des dizaines sur l'affichage. Euh, donc c'est des compteurs ça. Et il faut euh, donc euh, deux registres de 4 bits pour afficher euh, pour stocker ces valeurs-là. On peut aussi se définir des constantes. Ici, j'ai une constante de 10 millions qui sera le diviseur. Donc, on sait que notre compteur va aller de 0 à 9 999 999. Mais ça, ça nous permettra de l'utiliser pour remettre à zéro. C'est juste, juste une constante qu'on utilisera dans le code. Bon, alors quand je vous parlais de concurrence euh, de code, donc exécuté en simultané, lorsque vous avez une, euh, une commande always, eh bien, tout ce qui est entre le begin et le end de ce always-là, sera exécuté indépendamment d'un autre always entre son begin et son end. Donc ce code-ci sera exécuté totalement indépendamment et en même temps. Euh, donc quand je dis exécuté, c'est que la logique est activée, on se comprend. Là. Euh, donc ça sera euh, activé en exactement en même temps euh, et indépendamment euh, de l'autre always. D'accord? Alors j'ai deux sections. J'en ai une qui est... Stimuler ou activer une partie de, de, de porte logique, de code logique, qui est activée à chaque front montant de l'horloge à 50 MHz. Et j'en ai un autre bloc de, de logique qui est activé lorsque euh, le front montant sur l'horloge de 5 Hz. Okay, vous voyez l'idée là Donc deux sections, si vous voulez, qui seront indépendantes dans le FPGA. On peut dire ça comme ça. Alors on va regarder rapidement le code là, pour que vous ayez une idée de la. De, de comment ça s'exécute, se, ça comment ça se code. Bon, alors, pour faire un compteur, je vous ai dit qu'il y a une question de concurrence, mais il y a aussi une question de séquentiel, donc de séquence. Alors, ce qui est entre le begin et le end va s'implémenter en séquence. Alors, la première chose dans l'arbre de propagation des signaux, si vous voulez, là, logique, c'est que le compteur va être incrémenté de 1. Et une fois qu'il a été incrémenté de 1, il y a des portes logiques qui vont évaluer si la valeur du compteur a atteint euh, 10 millions, si vous voulez. Euh, si oui, ben on va remettre le compteur à zéro. Euh, donc, c'est une question de toujours aller de 0 à 9 990 999 et de retourner à zéro après. D'accord? C'est ça qui nous produit notre valeur de compteur euh, qui s'incrémente à un rythme de 50 MHz, bien sûr. Et l'autre compteur qu'on va se créer, c'est un compteur qui va incrémenter à une vitesse de 5 Hz. Alors comment faire? On va encore se servir du compteur qui incrémente à 50 MHz, mais on va dire lorsqu'il atteint 5 millions, donc la moitié de sa gamme, on va donc, euh, donc tout ce qui est en bas de 5 millions, on va dire que le signal clock 5 Hz est à zéro. Et, et lorsque ce compteur est au-dessus de la valeur 5 millions, incluant le 5 millions, bien sûr, euh, on aura la valeur, le, le signal clock 5 Hz qui sera à 1. Et comme euh, l'horloge, le compteur roule à 50 MHz et qu'on arrête de compter à 10 millions, bien on aura 5 fois au bas euh, pour un, un cycle de 50 MHz, donc 5 Hz. Donc on produira le signal clock 5 Hz à 5 Hz, tout simplement en faisant cette évaluation. Bon, ensuite, on travaille sur autre chose. Euh, on va se produire une horloge. Qui elle est, ben, a besoin d'être rapide, plus rapide que ce que les yeux peuvent voir sur l'affichage à Dell. Puis la façon encore plus simple de produire une horloge qui serait un diviseur du 50 MHz, c'est de regarder un des bits. Bon, on va se focaliser sur le bit numéro 16 de notre compteur à 24 bits. Ben, ce bit-là, si on regarde juste ce bit-là, il va passer de 0 à 1. Toujours à 0, à 1, et ainsi de suite, à un rythme de 381 Hertz. Euh, donc c'est très facile lorsque c'est un diviseur euh, binaire euh, de notre horloge de base. On a juste à regarder un des, un des bits et s'en servir comme source d'horloge. C'est exactement ce que je fais ici. 381 Hz, c'est amplement rapide. J'aurais pu prendre le bit 15, j'aurais pu prendre le bit 17, 18. En autant que c'est au-dessus de, mettons, 100 Hz faut pas que les yeux le voient, peut-être même c'est plus lent, il n'y a pas de problème. Alors, le bit 16 nous donne une fréquence de 380 Hz sur ClockMox. Ça, c'est parfait. Maintenant, euh, on va regarder la gestion du multiplexage. On a généré notre clock ici euh, à 380 Hz. Maintenant, on va s'en servir. Alors, encore une fois, il y a un concept de séquence entre begin et end ici. Là, okay? Même chose ici. Donc, lorsque ClockMox est à un niveau haut, je l'évalue. S'il est haut, donc 1, euh, je vais exécuter, donc éteindre le chiffre des dizaines, mettre la nouvelle valeur des unités à afficher pour envoyer au décodeur euh, des sept segments et allumer le chiffre des unités. Et lorsque c'est au contraire un niveau bas sur ClockMox, c'est les dizaines que je vais mettre à jour et afficher. Donc, à ce moment-là, J'éteins le chiffre des unités, je mets la valeur des dizaines à afficher dans le convertisseur à 7 segments et euh, j'allume le chiffre des dizaines. Et donc, ça se fait toujours en alternance chiffre des unités, chiffre des dizaines, chiffre des unités, chiffre des dizaines, à un rythme de 381 Hz. Donc, nos yeux ne voient pas ça. Donc, c'est allumé en permanence et ça sera mis à jour euh, à l'écran. Maintenant, euh, comment faire la conversion de la valeur à afficher, donc BCD, à ces segments pour faire euh, les chiffres visuels, euh, les sept segments, ben, on fait simplement une table de correspondance et c'est fait avec CASE. Donc, dans le cas où BCD égale 0, ben, on allume tous les segments sauf la barre horizontale. Ça fait donc un 0. Et ainsi de suite, le chiffre 1, il y a juste deux segments qu'on allume sur droite, c'est-à-dire les segments B et C, et ainsi de suite jusqu'à 9. Et donc, ça, c'est euh, évalué au même rythme, à tous les fronts montants. Cette table est évaluée et la valeur euh, de data out est mise à jour. Ça aurait pu être fait à, une, à un rythme plus lent, euh, mais il n'y a pas raison de le sortir. Il n'y a pas raison de créer une autre vitesse juste pour ça. Parce que le 5 Hz, c'est trop lent de toute façon. Dans l'autre, Always, ça aurait été trop lent. Donc, on le fait rapidement. Et donc, c'est toujours mis la valeur. À afficher toujours mise à jour. Bon, alors dans l'autre bloc, lui est exécuté lorsque le front montant de l'horloge à 5 Hertz euh, se produit. Donc la logique, cette logique-là est activée et mise en, mise en pratique lorsqu'un front montant. Et, euh, et là, c'est juste pour incrémenter le compteur de 0,0 à 99 qu'on affiche à l'écran. Alors, c'est la même chose, de 0 à 9, si ça atteint 10. On remet à zéro, puis on augmente les dizaines, et ainsi de suite. Puis lorsque les dizaines atteignent 10, on remet les deux, les dizaines et les unités à zéro, et on recommence. Et ça, c'est fait cinq fois par seconde, puisqu'on voit que les valeurs augmentent cinq valeurs par seconde à l'écran. Alors, c'est ça le code Verilog. C'est euh, compliqué, mais simple en même temps. Alors, quelqu'un qui, qui, qui devient assez. Euh, fluide avec ça, on n'aurait pas trop de difficulté à faire ce que j'ai fait, mais moi, ça m'a pris plusieurs heures à le faire pour découvrir, euh, comprendre l'histoire de la concurrence, les hallways, puis euh, la séquence, puisque quand même, le concept de séquence, un petit peu comme dans le code C, puisqu'il y a propagation des signaux dans les différentes portes logiques, il faut qu'il y ait une forme euh, de séquence, d'étage, si vous voulez, de logique. Et c'est là que la, la séquence entre en jeu. Alors, je vous le montre tout de suite à l'écran, vous ne serez pas très surpris, c'est comportement identique à ce qu'il y avait avec la saisie schématique. La seule différence, pour être bien franc, c'est la fameuse horloge de 381 Hz. J'utilisais une autre fréquence, je crois que c'était à 5 kHz, mais ici, euh, j'ai pris une autre fréquence. Okay. Ça n'a euh, pas d'importance, comme je vous dis, les yeux ne le voient pas. Donc, mais à, en apparence, à l'écran, c'est la même chose. Un petit essai intéressant pour vraiment euh, illustrer le principe du multiplexage de l'affichage. Plutôt que d'utiliser une horloge de 381 Hz, j'utilisais le bit 16, je vais utiliser plutôt le bit 22. Ce qui fait donc que l'horloge de 381 Hz va être 64 fois plus lente. Et donc, vous voyez à l'écran le résultat c'est bien euh, que l'allumage des chiffres euh, se fait en alternance. Alors, j'ai donc ralenti à un niveau où la caméra et l'œil peuvent voir ce travail qui est fait en alternance. À nouveau, dans les deux formes saisies, soit en schéma ou en verilogue, ce projet d'FPGA fonctionne de façon asynchrone et les signaux se propagent en cascade d'un étage à l'autre sans resynchronisation quel qu'il soit. On ne fait qu'afficher des résultats, des chiffres ici. Alors, il n'y a pas vraiment nécessité d'imposer des contraintes de minutage à différents étages du circuit. Maintenant, une précision sur l'utilisation des symboles de la série 74 à l'interne du FPGA, comme je l'ai fait encore une fois aujourd'hui. Vous devez oublier les configurations drain ouvert ou collecteur ouvert qu'offrent certains de ces circuits intégrés dans la vraie vie, là, la série 74 il faut considérer tous les signaux internes au FPGA comme ayant des niveaux forts haut et bas ce qui exclut donc de mettre en commun deux sorties sur une même ligne de toute façon Quartus Prime va vous le faire savoir par un message d'erreur lors de la compilation là je parle uniquement des signaux internes au FPGA sur les broches de sortie du FPGA, c'est différent car il est souvent possible de les configurer entre autres en drain ouvert. Bon, maintenant que je suis un peu plus à l'aise avec la programmation d'FPGA, je vais me commettre à développer un petit compteur de fréquence à huit chiffres dans la prochaine vidéo. Il est possible que je doive passer en mode synchrone et que je définisse des contraintes de propagation des signaux. De rendre le circuit de compte précis. À suivre, donc, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir dans le développement de ces vidéos par l'entremise de dons. Ces montants me permettent, entre autres, de me procurer du matériel que je mets en évidence dans mes vidéos, comme cette plaquette de développement FPGA justement. Pour plus de détails, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi cliquer sur la pastille dans le générique de fin qui suit à l'instant. Merci et à la prochaine!